Thank you.
Ça va? Franchement, je suis content de retourner sur ce jeu. J'étais en train de réfléchir, je me disais, ouais, c'est mardi, c'est le jour des requiers sur FF14. Bah non, en fait, s'en fout. Moi, je vais sur ce jeu-là. J'ai envie de découvrir plus. Donc Origaunt va continuer son aventure. J'ai rajouté des sounds d'alerte avec les points de chaîne, qui me faisaient pas mal marrer. Du coup voilà, petite nouveauté au passage. Allez, on y retourne. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar? En espérant d'ailleurs que les sounds d'alerte que j'ai mis fonctionnent. En vrai, je devrais faire un petit test. On va tester ça rapidement. Oula. Oh, j'ai mis le classique. Qui vient clairement de m'exploser les oreilles. Et il y en a une qui me fait beaucoup trop rire. Et celle-ci. Moi, hein. It's Levioso. Ah, Levioso. Levioso. Voilà. Ça me faisait rire, je me suis dit non, je suis obligé de les mettre en vrai. Du coup, où est-ce que j'en étais? Je dois aller visiter le navet. Donc que je me remette dedans. Par contre, Hibou Express, je l'ai pas ouvert. J'ai pas de courrier. J'ai pas d'amis. Super.
carte. C'est ça que je voulais. Alors, on a un point d'intérêt, le vieux fou. Alors, est-ce que... Le navet. Vendeur de produits frais, de graines et d'engrais. Eh ben, allons-y. Si mon enfant était un... Revelio. Il y a des serrures de partout, on peut rien visiter. Peut-être plus tard. Ah, par contre, je vois un truc. Action. Toi, bien ici. J'avais vu un autre truc. Ça. Bah super. Lumos. Alors. Au passage, hein. Ok. J'ai déjà oublié l'image. Nice. Ok, ça fait une petite montée. Avec une petite maisonnette. C'est ici. Revelio. Je dois faire le tour apparemment. Lumos. Hop, toi viens. J'ai envie d'éternuer. Ah pardon. C'était où déjà? C'est là. Revelio. Nice. Vite sur 8. Oh. Petit défi réussi. Alors. Pas mal avancé, hein. Chapeau de meilleur farceur de Zonko. Ok. Et là, ce sera pour avoir meilleur farceur de Zonko. Ok. C'est ça que je viens de débloquer? Ouais. Ok, ok. 6 sur 25, 0 sur 15. Nice. Du coup, bon, bah, on a fait ce petit truc au passage, c'est plutôt pas mal. Préolard, me voilà. Revelio. Pourquoi il me fait faire? Chalet. Let's go, niveau 9. Rébellion. Page là. Quand on commence. Action. Il faut aller jusqu'au. Rébellion. Encore une page là. Action. FX, ça va ou quoi? Bonjour, bonjour. Revelio. Ah, bonjour, bonjour. Timothy Tisdale. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictam pour l'élève de cinquième année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme.
Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Avec plaisir. Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. Exactement. Tu m'as percé. J'ai la crève, j'ai trop la flemme pour jouer au Hogwarts, du coup je joue par procuration en regardant Twitch. Ah ouais. Bah écoute, hein. En espérant que tu passes un bon moment du coup. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Sébastien. Engrais ? C'est des graines. Bon, je pense que ça, je verrai plus tard, j'imagine. Vendre. Allez, hop. Vous avez vraiment le sens des affaires. Tu kiffes pour l'instant ? Ah bah, clairement, ouais, de fou. De fou. J'en suis qu'au début, hein. Enfin, je sais pas où t'en es, toi. Mais en tout cas, ma découverte se passe super bien. Genre, je m'attendais pas à ça, en fait. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Voilà, ça c'est fait. Je suis à fond dedans. Pour dire, hier, donc du coup, j'ai commencé hier. Donc là, c'est la première fois que je vais après au lard. Et aujourd'hui, quand je me suis levé ce matin, j'étais en mode... Bah, j'ai trop envie de jouer en fait. Genre, pour te dire, j'ai squeeze les reclairs sur FF14 parce que j'ai juste envie de jouer à ce jeu quoi. Donc, je pense que t'imagines bien le truc. Pas très loin après, j'ai 8 heures de jeu. Ok. Et hyper immersif. Ouais, grave. Ah, je suis à fond dedans. Vraiment, je suis dans un délire là. Ouais, du coup, les reclairs. Attends! Levioso! Action! T'as de la chance, t'es raté. Tu survivras. Rébellion! J'ai pas trop été ici. Peut-être. Là-bas, c'est le TP. Exactement! Un jour, t'inquiète. C'est prévu ça. Ah. Et ouais, du coup, comme je disais hier, puis à eau. Ok, on s'en branle. Allez hop, tu croyais que je t'avais pas vu? Bien sûr, je t'ai vu. Du coup, je disais, ouais, tous les petits trucs de farm comme ça, vraiment fouiner pour choper toutes les pages. Tout ce qui va être farm, je vais essayer de le faire un peu hors stream pour pas me retrouver à tout le temps farmer en stream, c'est pas forcément le mieux. Et essayer de focus un peu plus l'histoire du coup. Rebellion. Voilà, vu que c'est le début, je suis un peu en mode exploration quand même. Mais je pense que par la suite, je serai plus... Allez hop. Rentrer dans un magasin et voler la thune, c'est la base. Ouais, par la suite, je serai un peu plus sur l'histoire, je pense. Bon. Rébellion. Là, j'ai ma quête principale, mais... Oh, déjà, j'ai vu deux coffres. Est-ce qu'il y a une quête secondaire qui aurait pop ? prêt à sorcier, coiffure, ouais, ça c'est des trucs qu'on verra plus tard. Ça on verra plus tard, par contre ça c'est quoi? Tome et parchemin, une librairie spécialisée, non, évoque, ouais. Ça pour l'instant on s'en fout un peu. Par contre les coffres là, qui apparemment sont accessibles. Bonjour, faites pas attention à moi, hein, je fais que voler votre boutique. Allez, salut. Je comprends, je me mets souvent des coups de pied au cul pour avancer à la quête principale, sinon
Je looterais le monde entier. Non mais c'est ça, c'est tellement ça. Surtout qu'en plus, sincèrement, hein, dès que t'arrives dans une nouvelle zone, genre... Bah c'est juste magnifique en fait. Genre, toutes les zones, t'as envie de les fouiller. Et genre, je retrouve le plaisir de me promener dans une zone. Juste de me promener dans une zone et observer, genre... Genre même sans farmer un truc en particulier, genre, enfin c'est juste beau. Ils ont fait un super travail. Moi j'imagine qu'il y a des bugs et tout, j'ai vu qu'il y avait déjà eu une mise à jour de correctif et tout. Mais c'est un détail. Et Sébastien, mon pote. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur ? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Humez-le ! Pourquoi t'as fait ça ? Je suis dans la merde ! Oh, bombarda, ouais, ok. Éloignez-le des bâtiments ! Il faut épargner le village ! Humez-le ! Oh my god. Ah ouais, non mais déjà un, c'était compliqué. On va se battre là ? Que moi, on est deux frérot. Vise un peu mon pote, non? Eh oui, gros balourd. Il faiblit. Plus que quelques coups. Ouais, il commence à s'énerver là. Meurs! Invoquer la magie. Quoi ? Tout de suite ! Oh, allez, let's go ! C'est qui le patron ici ? Par Merlin, un deuxième troll ? Je l'ai fumé ! Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui. À moi tout seul, hein. C'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Il faisait de la figuration. Est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place. Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Tu vas nous faire une chanson. Encore une fois, merci. Singer. Non, alors par contre, faut m'expliquer un truc là. J'ai utilisé un sort. Oh, bonjour. Accordez-moi un instant. La magie ancienne, là ? Ça m'intéresse fortement, la magie ancienne, là. Excuse-moi, mais... Réparons. C'est ultra stylé. Revelio. Ah, il déline, frère ! Non, mais c'est ça. Et celle d'Engis de Woodcroft. De Pouf Souffle. C'est lui qui a fondé le village, ok. Ouais, ok. Bon. Ah ouais, faut tout réparer là. Si Singer aura une chose de moins à régler. Ouais, hein. Tout péter le troll, moi je suis là, ça y est, je me retrouve à faire le ménage.
Voilà. Le combat contre le troll, par contre, m'a beaucoup plu. Il m'en faut plus des combats comme ça. Parce que farmer des coffres, c'est bien mignon. Ouais, nous, on répare des maisons complètes. Facile. Ouais, chercher des coffres, c'est mignon, mais à un moment donné, moi, j'ai besoin qu'on se batte, quoi. Il me fait passer par où, là? J'ai l'impression d'avoir... latence. J'ai l'impression d'avoir une latence. Monsieur Hill chantait justement tes louanges. Oh! Les modes de FF. Incroyable. Le mec qui force de ouf sur la magie, les cartons, il pouvait les ramasser à la main. Non mais, je te jure. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorciers. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. C'est bien trop généreux. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Mais c'est de la merde, en fait. C'est pas un cadeau qu'il me fait, il est en train de se débarrasser des trucs qui lui servent à rien. Ah, genre ça, on discute. Là, on discute. Ah, du légendaire, moi, donne-moi du légendaire, frérot. Fais pas ta pince. Donne quoi, de bonne facture? C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Ok, c'est moche en plus. Y'a rien qui va. Ouais, bon, on va le prendre, hein. De toute façon, vous ne regretterez pas. Écran d'équipement, ouais. Statistiques des reins sont affichées en haut à droite de votre écran. Ah, c'est maintenant qu'il m'explique ça. D'accord. Ouais, j'ai eu le temps de loot depuis. Ouais, bon. Et puis ouais, ok. Il va pas m'obliger à l'équiper quand même. Off. Combien ça coûte? 375. En fait, ensemble nocturne bleu sarcelle. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que j'achète du stuff en sachant qu'il y a quand même pas mal de loot en vrai. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Attends, on va faire un truc. Je crois deviner que vous avez l'œil pour... Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les trois balais sont par là. Je vends bien d'autres objets utiles au combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique, quand vous le voudrez. Ouais. En vrai, je pense que pour le stuff, je vais pas en acheter au début du jeu, parce que je suis quasi sûr que ça sert à rien. Par contre, si je commence à voir qu'en termes de difficulté, j'arrive plus à passer un boss ou quoi... Rébellion. Je me reposerai la question une deuxième fois, du coup. L'autre fois, on discutait avec la CL, et vraiment, on trouve que niveau accessoire de tête, face, y a rien qui va... Ouais, non, mais les lunettes, s'il vous plaît. J'ai vu des lunettes, genre, à l'aide, quoi. C'est juste moche, en fait. Bon, par contre, il est bien mignon, mais cette tenue absolument...
moche. On dirait que j'ai joué 5 minutes au jeu avec ça. Voilà. On remet ça. On récupère nos stats. Ben, c'est moi ou... Ah, en fait, le truc, c'est... Comment dire ? Cette tenue, c'est aligné à mes stats que j'avais de base. Ouais, ok. Ok, ok, bon. Allez, on se casse. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Okay. Viens, on marche plus vite, non? Les PNJ qui pensent que j'ai toute la vie devant moi, là. Wouah, lui, il est encore là, lui. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux Trois Balais. Intéressant. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. S'ils arrivent, ils défoncent la porte. On a soif! Bon, qu'est-ce que je... Ah! Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après Préolard, ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... Fuck. C'est Lord Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Voilà, dis-lui. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Coup de pression! Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les Trois Balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Ouais, mais là, si je leur mets un coup de pression. Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout raconter, mais je préfère garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Je sais pas, il y a de l'action ici, hein. Moi, j'aime bien, moi. Si
ambiance sombre là. Revelio. Pas un étage où on peut gratter du loot quelque part, hein, non? Il y a un étage. Attendez, on voulait pas. Hein. Je me sens un peu obligé de fouiner. Ça vous dérange pas? Ouais, je me disais aussi. Revelio. Est-ce qu'on a un truc intéressant? On va monter tout en haut. Ah! Ok, d'accord. On pourra revenir plus tard, du coup. Eh ben, on reviendra. Ah, voilà! Autre forme imposant. Qui a l'air d'augmenter mes stats en plus. Alors, ah non, c'est juste un skin. Ok. Ouais, c'est un skin. Ah mais oh. Ah, il se passe des choses là. Ok. Bon. Revelio. Jamais il n'y a pas une petite page qui traîne quelque part. Non. Bon, allez, go. Je te suis. Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Harlow. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. Ok. Faut que j'aille à la... Ah non, c'est à la salle commune que je dois aller. Let's go. Il se lève en mode « Ah, c'était une bonne journée. Tu parles, c'était l'enfer, on s'est battu contre un troll. » XP, niveau 10, là. Nice. Revelio. Ok. Bon. Ah. J'ai reçu ma première lettre. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon des Gringotts. Ok. Alors par contre... Voilà, lui il dit venez me voir. Mais moi ce que je vois surtout, c'est des quêtes secondaires. Donc je vais faire les quêtes secondaires, bien sûr. Alors...
Tu peux m'aider ? Bonjour. Tu voulais me parler ? Ouais, dis bonjour. Oui, déjà. Tout à fait. Je me disais que tu aurais peut-être envie de te joindre à moi pour une aventure. Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. J'ai trouvé deux cartes, et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un œil ? Suivre une carte au trésor de Poudlard ? J'en suis. Fantastique ! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. Et où me conseilles-tu de commencer ? Après un examen rapide de la carte, je te conseille de commencer près de la salle du professeur Ekat. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. Ok, donc ça, je dois la tirer. Ça, je dois le réparer, j'imagine, ou un truc dans le genre. Ok. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de chez moi. Les coffres, ils se rechargent, mais non. Ah non, je... Ouais, ok, d'accord. Ok... Revelio. Encore que je descende. Là, c'est les chiottes, là, c'est le coffre que je peux pas ouvrir. Est-ce qu'on peut passer par là? Absolument pas. Comment on descend? Je suis perdu dans ce château, moi. Oh. Ah, mais c'est juste là, en fait. Ok. Ok, donc... Encore en bas, je crois. Je reconstitue ma collection de bave-boules, et c'est pas grâce à toi. Elle, je l'ai raquetté, la pauvre. Ah, un squelette de rhinocéros. Je suis sur la bonne voie. Trouver le second point. Voilà la fontaine. Je ne suis plus très loin. Cette secondaire juste à côté, c'est magnifique. Elles sont incroyables, n'est-ce pas ? La zone, elle est immense. Cet escalier me semble prometteur. Certains ont du mal à comprendre le professeur. Je le ferai après. On dirait le portrait de la carte. Mais où peut bien se cacher le trésor ? Action ! Ah ah ! Il y avait un passage caché derrière le portrait. C'est stylé ! Va où elle ? Attention, hein, c'est mon coffre. Je me demande ce qu'ont donné les recherches d'Arthur. Ok. Yeah. Donc ça, c'est fait. Oh ! Espèce de sale !
C'est vraiment ultra stylé. Je suis à fond dedans. C'est grave d'être à fond dedans comme ça. Le professeur Weasley. Tu as trouvé quelque chose ? Bonjour Arthur. Je voulais te dire que ma carte menait en fait à un passage caché dans un portrait. Oh, très ingénieux ! La mienne m'a mené au hangar à bateau. J'ai trouvé le trésor juste avant que le directeur n'arrive. Il m'a chassé de là, mais pas avant que je ne m'enrichisse de quelques galions. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé ? J'ai trouvé ce qui semble être un authentique uniforme d'historien. Oh, quelle chance ! Nous avons tous les deux eu de la chance ! Je suis content de t'avoir demandé de l'aide. Bien, passons au prochain mystère de Poudlard. Je me demande si on devrait aller faire un tour dans le bureau de Weasley. Ok, ça c'est fait. Maintenant, faut que j'aille là. Par contre, bah, c'était pas à côté, hein. Voilà. Les clés du Dédale sont de retour. Elles sont incroyables, n'est-ce pas ? Tu es sûre que tout va bien ? Oui. Désolée, je suis juste... Je m'appelle Nelly, au fait. Je suis juste vraiment contente que les clés du Dédale soient de retour. Les clés du quoi ? Et les clés du Dédale. Tu les as sûrement déjà vues voler dans les parages. À en croire la rumeur, une ancienne directrice, le professeur Moll, les a conjurées pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées, il y a plusieurs années. Le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés, et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une ? Et pourquoi je ferais ça ? Chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château. Si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire, ce qui n'est pas facile, tu y trouveras peut-être une récompense. J'imagine que tu vas essayer de relever le défi, toi aussi. Oh, j'ai essayé, je n'arrive pas à aller au-delà des premières armoires. Tu t'en sortiras peut-être mieux que moi. J'aimerais savoir ce que contiennent ces armoires. Pourquoi le professeur Moll aurait-elle invoqué des clés volantes ? Apparemment, l'objectif aurait été d'empêcher Peeves d'accéder à certaines choses. Mais ce n'est peut-être pas vrai. C'est un esprit frappeur. Je pensais qu'il pouvait aller presque partout. Okay. J'irai tenter ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. J'espère au moins que tu suivras quelques clés. Si tu réussis à ouvrir une armoire... J'aimerais bien savoir ce qu'elle coûte. Ah, je me trompe toujours. C'est par là. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Et moi j'ai pas le temps. Trop d'escaliers dans ce château. Oh. Les Glossos. Nice. Une clé du Dédale. Oh. Je me demande où elle va me mener. Quel plaisir de vous revoir. Voilà le meuble. Ah. Où dois-je mettre la clé ?
frapper, croix. Et voilà. Oh, one shot. Le mec a du talent. Les pièces. Nelly sait peut-être de quoi il s'agit. Ok, j'ai eu un jeton de maison du coup. Ben, c'est cool. C'est stylé. C'est clairement stylé. Tu as réussi à suivre l'une des clés du dédale ? Bien sûr. Bonjour Nelly. J'ai réussi à placer une clé du dédale dans sa serrure. Superbe ! Qu'as-tu trouvé dans l'armoire ? Une sorte de jeton assez étrange. On dirait une sorte de jeton de maison. Il sert sûrement à ouvrir les coffres de maison. C'est comme ça que je les appelle. J'en ai vu un dans la salle commune des Griffons d'Or. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait aussi dans les autres salles communes. Ouvre l'œil. J'espère que tu vas continuer. La récompense de tels efforts doit être formidable. Je dois continuer et trouver le coffre de la maison Serpentard. Ok, let's go. Heureusement que les enfants de plaque. Ah ouais, non mais tous les trucs annexes qu'il y a dans ce jeu, mais ma vie sociale va juste disparaître complètement. Faut pas me mettre des jeux comme ça entre les mains. C'est dangereux ça. Ce doit être le coffre de ma maison. Il ne me reste plus qu'à insérer le jeton. Je vais devoir trouver d'autres jetons si je veux l'ouvrir. On dirait qu'il en faut un certain nombre. J'en fous combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en manque 15 encore. Eh ben super. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis pas prêt de l'ouvrir ce coffre à mon avis. Alors, est-ce qu'on a encore de la quête annexe ? Apparemment non. Le secret du médaillon. Okay. On va se TP juste à côté. Ça c'est bien par rapport à la dernière fois du coup. Je fais un peu plus de quête principale. C'est bien ce qu'il me semblait. J'espère que tu réalises que ce n'est pas vrai. Connaissant ce type de jeu, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire rien qu'à Poudlard, mais que tant que j'aurai pas certains sorts, je pourrai pas avancer. Donc je pense que faut pas que je traîne trop non plus, sinon je vais juste farmer dans le vide. Pardon. J'étais pas censé mettre TP à côté ? Ah oui. Bonjour, c'est moi. Revelio. Professeur, content de vous voir. Moi de même. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Préolard ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrok s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrok parler avec Victor Rockwood. Ranrok était à Préolard avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrok pour que Rockwood puisse m'atteindre.
Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Ok. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecate. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Ok. Je vais prévenir le professeur Hecate de votre venue. Action ! Les Lévioso ! Réparons ! Ok. Bon. Quête secondaire qui vient de pop. Enfin, c'est ça en fait. Il me faut des illusions. Ok. Bon, let's go. Faut que je descende. Pardon. Attends. Tu vas où? Ah, poussez-vous. En route pour de nouvelles aventures. Bon, qu'est-ce qu'on faisait déjà à la base? C'est par là. Ah bah c'est bien ça, c'est juste à côté. Revelio. Ah, j'ai quelques petites choses à vous dire. Ouais. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre les personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Gagner 2 manches de joute magique. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Ok, faisons cela. Hein. Mm-hmm.
Revelio. Excuse-moi. Action. Non. Levioso. Non. Je sais pas ce qu'il faut faire avec ce truc. Alors ça plus tard. Hop hop hop, excusez-moi. Tu veux refaire un combat? Je crois bien. Voyons qui se présente. Personne ne me fait peur dans cette école. Je sais, Sébastien, je sais. Bonjour Lucan, est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Oui, allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Dans ce cas, allons-y. Oh, let's go, on va se battre. Que dirais-tu d'une petite rossée? Désolé d'avance. Ils sont trois. Trois contre deux. Action. Confringo. Confringo. J'ai perdu mon pari. Action. Levioso. Allez, viens ici. Il y a des petits combos sympas à faire. Des petits combos sympas à faire. J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner, ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Alors, c'était pour qui la rossée? Je devrais peut-être m'en tenir aux potions. Ouais, je crois aussi, hein. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est? Tu veux essayer? Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Mmh. Action! Action! Les chaussons! Ouais, mais il me demande de faire un truc que j'ai pas, là. Suivi de 4 attaques. Lancer Axio, suivi de 4 attaques de base. Axio. Ah. Ok. Bien joué. Les chaussons! Okay. Beau travail. Ah! 1, 2, 3, bim! Ok. Leviosa! Action! Très bon travail! Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Tous mes devoirs sont finis.
Revelio. Je savais que j'avais vu un truc. Bon, mamie. J'imagine que Monsieur Brattleby... J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hecat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sorts m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Okay. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Vous avez pris un pour équiper Incendio à votre ensemble de sorts. Pour ce faire, vous devez changer avec un autre sort. Okay. Bon travail. Ah. Ok, ok. Portée est courte et nécessite que vous soyez proche de la cible. Sort inflige des dégâts importants de flammes. Les ennemis touchés par les attaques de feu continueront à subir des dégâts pendant quelques secondes, pendant lesquelles les collisions entraîneront des explosions incendiaires. Eh ben, on va le mettre à la place de Réparo. Hein. Ouais. Incendio. Vous vous défendez bien. Ça fait plaisir. Alors, par contre... On va mettre ça. Changer d'apparence. Ça dégage. Force, hein. Yark. Yark. Ça c'est fait. Dans les défis, terminer deux devoirs. Okay. Inventaire, j'ai l'air d'avoir pas mal de petites choses. Ouais, c'était juste ça. Hibou Express, on n'a pas de lettres. Les quêtes. Deux sur... Ouais, donc ça, ça va se faire vraiment... Ok, ok. Et du coup... J'ai une quête secondaire ici. Vaillance venimeuse. De Boursouf. Bon, on va faire ça. Quête secondaire, toujours. Alors, oh, mes ex. Tu as un moment? J'ai besoin de ton aide. Il paraît que tu voulais me parler. Tout à fait. Je m'appelle Duncan Obaus. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. C'est gentil de ta part. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Hecat et... Le mien a pris la forme d'un... Oh, d'un Boursouf.
Tu plaisantes. T'as quand même pas peur d'un boursouf? Ça te semble peut-être irrationnel, mais j'ai vécu une expérience traumatisante. Il mange des crottes de nez, tu sais. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée, ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf. Ah ouais, dur. Excuse-moi, mais avoue que c'est plutôt bien trouvé. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Everett a dit la même chose. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique ? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse, par exemple, ou quelque chose de cette nature. Quelle sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais tu as vu le genre de plante que cultive le professeur Bulbille ? Si le professeur d'avant avait les mêmes centres d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. D'accord. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. Oui, tu vas payer, sache-le. Allez. Faut jouer au botaniste. Le couloir secret du cours de botanique. Intriguant. Réveillio. J'ai cru voir un truc. Je commence à peine. Il est perdu. Il est là. J'active mon Sharingan. Bing! Yep. Madame Scream. C'est fou! Résoudre une énigme que j'ai évoquée et me faire. Incendio! Oh, stylé, c'était sûr. Je vais lui faire confiance. Poudlard est ma deuxième maison. Attention ! Incendio. Alors... Mais ouais... Non, vraiment... Réveillio. Vraiment, le jeu est incroyable. Action. Alors... Réveillio. Produisant de la mélasse qui rend triste celui qui la mange et se nourrisse d'orties et apprécie les endroits sombres et isolés. Ils sont connus pour infester les ruches, ce qui a des conséquences désastreuses sur le miel. Incendio. Bah, je les crame. Marche pas. Levioso. Action. Bon, peut-être un truc à faire plus tard là-dedans. Rebellion. Voir secret. Bien, mais. Des tas de lettres arrivent chaque jour, mais aucune ne m'est jamais décrite. Mmh.
incendio. Une étincelle et ces vignes sèches deviendront du petit bois. Ouais, c'est stylé. Ah! Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Je sens une ambiance de... Je vais sauvegarder. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité, alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Le bruit que les branches elles font là, c'est... J'aime pas. Hein. Incendio. Lumos. Réparons. Lumos. Absolument pas. Du coup, hop. Incendio. Lumos. J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacule avénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Ah mais attends. Incendio. Lumos. Levioso, incendio. Protego. Lumos. Ok. Là, il y avait juste un coffre, en fait. Là, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là-bas. Cette plante-là, je la sens pas, hein. Incendio. Lumos. Allumer tout ce qui est allumable. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Protego. Lumos. Hey Shita. Ça va ou quoi? Tout.
Genre elle m'a pas attaqué, rien du tout. Ok. Comment ça va, Shiita? Ah, ok, du coup j'ai une entrée par là. Intéressant. Tout le monde sait qu'on ne peut pas. Tu as trouvé quelque chose pour que je prouve mon... Bonjour Duncan, j'ai la preuve qu'il te fallait. C'est une feuille ! Cette tentacula vénéneuse devait être énorme. Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Merci de l'avoir récupérée pour moi. À la réflexion, au boursouf, je crois que je vais la garder. Il faut que tu surmontes tes peurs. Tu plaisantes, j'espère. C'est horrible de me faire ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je fais ça pour ton bien. Ce genre de déception t'encouragera à devenir plus fort. Je ne veux pas être plus fort. J'aimerais juste qu'on me laisse tranquille. Même Zenobiano qui va se moquer de moi. Tu m'as fait perdre mon temps. Je n'aurais jamais cru ça de toi. Mince alors. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Non, t'aurais pas dû. Mais tu l'as fait. Alors, les lunettes nulles, ça nous intéresse pas. Collection, waouh, comment j'ai la flemme de regarder tous ces trucs. Je regarderai ces trucs plus tard. Hein. Express, pas de lettres. Ok, donc là on a fait toutes les quêtes annexes. Ce qu'on va faire, on va stepper ici. Tranquillou. Tu ne me manqueras pas. Oh, arrête un peu. J'essaie d'être sérieuse pour toi. Non. Incendio. Attention. Revelio. D'accord, donc il y a un prof qui voulait pas de moi à la base, hein. Je vois. Hop, pardon, je suis tout cassé. Ok, bon. Là, c'est le moment où je vais faire une petite pause. Et 1h30. Petite pause, le temps de grignoter un truc. Vite fait. Un peu plus de 5 minutes et après je vous dis je vous retrouve juste après. À tout de suite.
Et re. Voilà. Alors, par contre, j'ai des nouvelles apparences que j'ai pas trop checkées. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Ah. Sympa. Ok. Là, par contre, j'ai pas mal de trucs. Ouais. Médiéval quoi. Ah. Est-ce qu'on ferait pas la story comme ça? Absolument pas. Ok. Ok. Oh my god. À l'aide. Berk. C'est ce que j'ai mis. Ça qui est pas mal, mais qui est pas du tout assorti au reste. Ok. On va rester là-dessus. Et. Ah, mais. Avec des meilleures stats légendaires. Avec un swag inexistant. Monture volante. J'ai jamais fait attention à ça, mais oh, il y aura des montures. Ok, bon. On en était où? Faut que je fasse la quête principale, du coup. Let's go. À boire. Merci, Shiita. Alors, monsieur le sorcier, tu ne lâches plus ce jeu? Non. C'est vrai, c'est vrai. Shiita, j'ai mis des nouvelles sounds d'alerte en point de chaîne. Qui sont un peu plus liés à ce jeu. N'hésite pas à les tester. Il y en a une des deux qui me fait beaucoup rire. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. En fait, j'en ai mis trois. Levioso. Oh, Levioso. Oh. Oh mon dieu. Voilà. Voilà. La patate. Voilà. Ça me faisait beaucoup trop rire. Du coup, Revelio. Allez, on continue. Ah, vous voilà. Ah ouais, donc genre, en fait, j'ai attendu toute la nuit sur ce tapis. Professeur Fick, c'est pas sympa de faire attendre ses élèves autant. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions. Fig, j'ai besoin de vous. Venez.
Monsieur le directeur, je suis occupé et mon votre emploi du temps... je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Alors lui... pauvre... cet m'énerve. Homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Bon. Le directeur de Poudlard est un connard. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Sébastien, te voilà. Te voilà. Te voilà, tu te voilà. Tu m'as promis une explication sur ce qui s'est passé au Trois Balais. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock ? Quand est-ce que t'étais à Gringotts ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porte-loin. Un porte-loin ? Vers Gringotts ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi, j'ai du mal à suivre, alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvés dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci, Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire. Madame Scribe n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bons termes. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve ? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. Mm-hmm. Ok. Là, c'est le moment où je sauvegarde. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas. C'est bien compris ? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Ok.
détectés dans les zones interdites. Silencieux comme la mort. Comme la mort. Les adversaires proches repéreront, puis enquêteront. Si vous faites arrêter par une figure d'autorité, cela signera l'échec de la mission. Oh. Genre lui il va pas bouger. Tout ce que tu veux il va bouger au dernier moment. Tente. La porte qui s'ouvre derrière lui au calme. Pose. Oh non, la bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Ça va, Omar. Tu vois son bureau, derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Hé, hey, pourquoi il nous faut une clé? Y a pas un sort pour ça? Allô, Mora? C'est comme ça que j'entrais avant. Mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort et a placé une protection magique sur le verrou. Il ne reste donc plus que cette clé. Mais ne t'en fais pas. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer et je tiens toujours parole. Crois-moi. Si seulement je pouvais juste la one-shot. Ah ouais, lui, il fait diversion en mode... Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Oh, Peeps ? Peeps ? Peeps, tu es là ? Peeps, il est pas là. La clé, elle est là. Essayez pas de me déconcentrer avec des sons d'alerte. Non! Ça n'a pas été si difficile finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Ah, mais t'en penses quoi de ces centres d'alerte? Le lancer de base en mode caché pour leurrer les figures d'autorité et les... à un endroit précis. Ah! Ok. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Ça, un fantôme. La voie est libre maintenant. Plus besoin de nous cacher. Comment ça, plus besoin de nous cacher? Ma parole, je reste caché. Cherche alors. Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne.
pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Oh. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Le voisin de la bibliothèque. L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne? Non, on a tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste. Réveillons. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Je suis en furtif, là. Ma parole, moi je reste caché. Il a dit on n'a plus besoin. Ouais. Eh ? Oh my god, 500 boules ! Secrets les plus sombres des forces du mal. Impressionnant. Son ninja lui bon, qui reste en mode furtif. Oh. Et où là? Leviosa. Oh, le petit bâtard! Sébastien Palot en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Fuck this. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez puni. Oh, il me casse la tête, lui. Mais c'est pas... Je vais le dire. Quel enfer, ce mec! Oh, maudit Peeves! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Un petit malin, lui. Où est donc passé ce satané esprit frappeur? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Ouais. Réparons. Excusez-moi, hein. Ma parole, j'ai pas confiance. C'est censé être une bibliothèque, j'ai l'impression que je vais finir dans un donjon de l'enfer. Ça ressemble un peu bien à... Sûr, des traces de magie ancienne. Ah ouais... Cette pièce cache quelque chose. Moi, je suis quelqu'un de prévoyant. Sauvegarder la partie. Pas faire les fous, voilà. Voilà. Et ouais. Attends, parce que. Là, y a un passage. Revelio. Oh là là, j'allais le rater celui-là. Raffiné. Ah oui, quand même. Ah, on équipe, hein. Hop. Et j'ai eu des lunettes nulles. Yeah.
faut. Ça, on s'en fout. Où peut-elle bien mener ? L'Athénéum. Ah, go, hein. What the fuck, je suis où là ? Quoi, cet endroit ? Saloperie. Revelio. Des gardes. Allez, crève en fait. Bien sûr. Oh, je les ai déchirés. Déchiré. Stop. Action. Leviosa. Incendio. Stupéfice. Ah ouais, vous savez pas, je suis chaud moi maintenant. En magie ancienne s'améliore en attaquant, en parant ou en subissant des dégâts. Les enchaînements de plus de 10 coups généreront des bonus de magie ancienne. Récupérez-les pour remplir votre jauge de magie ancienne et récupérer une petite quantité de santé. Oh. Ah oui, ok, enchaînement x10. Oh. De jauge plein, vous pouvez utiliser les attaques de magie ancienne aux effets dévastateurs, infligeant d'énormes dégâts au présent. Les charmes du bouclier. Oh my god. Elle est en stream aussi de son côté. Revelio. Protego. Stupéfix. Stupéfix. Levioso. Action. Ah, il y a un truc ici. Ah oui, mais c'est le même que... Moi, je veux le coffre ici, moi. Y'a rien. J'ai eu chaud.
bon. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle ? D'abord. J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Ça va se battre ici. Revelio. Action. Allez. Stupéfix. Ma magie ancienne. Protego. Wow. Incendio. Stupéfix. J'aime beaucoup le gameplay. Des trucs que j'aurais. Revelio. Non. Ok. Ce n'est qu'un livre. C'est qu'un livre, à mon avis, c'est pas n'importe quel livre. Allez, revoilà. Vous vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar.
J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Un peu une tête de psychopathe, la petite. Hein. Pas l'air méchante, mais je sais pas. Hein. Sébastien. Ah, me revoilà dans la merde. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Lui, c'est un bro. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle ? Non, mais à l'aide, lui. Voilà, ça c'est fait. Retourner dans la salle du professeur Fig. Alors, avant de retourner dans cette salle, est-ce qu'il y a une quête secondaire ? Il n'y a pas de quête secondaire. Yo Kiwi ! Ça va ou quoi ? On va continuer dans l'histoire principale. Hein. Revelio. Revelio. Non, ça c'est. Hop. Y a un coffre là-haut. J'ai une envie d'éternuer. C'est horrible. T'amuses bien. De fou, mec. Vraiment, genre, je suis à fond. En plus, là, c'est bien parce que par rapport à la dernière fois, genre, j'avance un peu plus dans les quêtes principales. Je fais un peu moins de quêtes secondaires. Et je commence à avoir du gameplay à base de magie ancienne et tout. Non, franchement, je suis à fond. C'est le livre. Vous n'êtes pas sérieux ? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ?
C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel ? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Votre conversation m'intéresse. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi ? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh ! Oh non ! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine ? Dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrok. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. On va crafter. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. C'est noté. Ça veut dire quoi ça, Kiwi ? Il est temps de montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joute magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. On va se battre ? Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Demain, on retourne à Campolar en bas du hameau. Ok. Du moment, la majorité de la carte est couverte de brouillard et vous ne pouvez en voir qu'une petite partie. Ah, ça y est, c'est le début du farm, hein. Je suis foutu là. Petite communauté que vous ne trouvez partout dans le monde. Ah ouais. De nouveaux marchands, des flammes de cheminée, des quêtes annexes, des objets à collectionner. Ouais, c'est bon. Je suis foutu. Je suis foutu. FF14, c'était un plaisir, hein. On se reverra plus tard. Hein. Les brouillards qui découlera se dissipera et révélera de nouvelles opportunités, comme des hameaux, des cachots, des campements. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Ah ouais, là j'ai beaucoup trop de choses à faire, là. Hein. Là. Oh.
Non mais... Attends, parce que... Parce que déjà, il y a ça. Infirmerie, oh. Entraînement aux enchaînements de sorts. Joute magique, manche 3. Club de joute... Ok, donc là, on est sur de la quête secondaire. Ok. Carte du monde. C'est quoi ça? Ça, c'est Préolard. J'y suis déjà allé. Cheminette. Est de la région de Poudlard. Grotte de la collectionneuse. Ça, c'est quoi? Ouais, je suis foutu. Ah ouais. Oh, c'est quoi la taille de cette... Oh mon dieu. La carte est immense. Genre, elle est vraiment grande. Ah ouais, je suis dans la merde. Tu as vu, il fuit le mariage en allant sur un autre jeu, n'importe quoi. Non mais vous vous rendez pas compte de ce qui m'arrive là. Grande comme là. Mais vas-y là, hey, calmez-vous tout de suite. Enceinte, putain. Bon. On va faire les quêtes annexes de Poudlard déjà. Joute magique, manche 3. Bon. On va se battre, hein. Ah, Kiwi, je crois, il est déjà pris. Comment vas-tu? Ok. Attention, futur champion en approche. Entraîner avec le mannequin. Vas-y. Hein. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Ah, il est pris par autre chose en ce moment. Lancer Axio Incendio et le saut dans un enchaînement. Axio Incendio. Okay. Bien joué. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Non, t'as pas envie, sinon je te bute. C'était seulement un mannequin d'entraînement. C'est vrai, mais il était difficile à battre celui-là. Crois-moi. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer en duel. Oui, le fatal. Et je suis sûr que tu feras encore mieux à joute magique. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Récompense dans les défis. Alors. Pam pam pam. It's Levioso. Oh, Levioso. Oh.
la petite cape légendaire. Gant de Farfadet chanceux. Ok. Alors, une nouvelle cape. Alors attends, 54, 50. En vrai, pas dégueu. Nice. Et là, ça augmente toujours les stats. Ça fait plaisir. Ah, nouvelle manche à baguette. Moche. Ok. En vrai, je suis qu'à 5 heures de jeu et déjà pas mal de petites choses de fait, je suis content. Bonjour Lucan, tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. Ah ouais? C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Absolument! Oui, c'est parti. Parfait, tu vas te battre avec un partenaire? Je prends mon bro, Sébastien Palo. Oui, avec Sébastien. Alors, allons-y. Merci, Kiwi, merci. Tu vas comprendre ta douleur. 1, 2, 3. Voilà, faut rester positif. Ok, vous êtes 4. Vous êtes 4, on est 2. Ça marche. À moi le tryhard. Vous avez bouclier rouge avec un comme Isendio. Allez, ça dégage. Protego, stupéfix. Incendio. Contre lui. Action. Stupéfix. Contre lui. Stupéfix. Confringo. Incendio. Je te crame, moi. Protego. Tu fixes. Vas-y. Allez, crame. Ne crie pas, tu fais du bruit. Stupéfix. Damn. Stupéfix. Allez. Attends, excuse-moi. Viens ici, que je te crame. Oh là 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 là. J'ai bien fait de ne pas parier sur cette manche. Ce championnat très équilibré. Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi! Disons que mon niveau est un peu au-dessus, je crois. Ils auraient dû venir à 10 en vrai. C'était pas drôle. Ce n'est que le début. Ce n'est pas grand-chose. Tu n'as encore rien vu. Si les meilleurs duellistes de l'école ne te suffisent pas, tu devrais peut-être envisager d'être transféré à Durmstrang. Ah. Et maintenant, voici ton prix. Ah. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Ma victoire suprême. Ah 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 ah. Oui voilà, partez loin de moi. Face à ma victoire suprême. Ah ah ah. J'ai eu quoi du coup? Je sais pas ce que j'ai gagné. Ah, me dis pas qu'il m'a filé un chapeau de mort. Non.
Qu'est-ce qu'il m'a refilé ? Bon, ça restera un mystère. J'ai adoré ce petit moment de duel. Quête secondaire, s'il vous plaît. Cours de botanique. Je dois assister au cours de botanique dispensé par le professeur Bulbi dans les serres. Alors, par contre... C'est une quête principale, ça. Je vais regarder dans mes quêtes, ce sera plus simple, je pense. Quête principale. Quête seconde. Et les clés du dédale, ok. Bon, déjà, on va faire celle-là. Réussir à esquiver les attaques ennemies en effectuant des roulades. Attends, ça faisait partie de mes devoirs là? Non, me dis pas ça hein. Parce que sinon ça veut dire c'est rip. Attends. Ah ouais, faut que je me batte hein. Il me faut des ennemis là. Il me faut des ennemis, je dois faire des roulades. Je savais pas moi. J'avais pas vu. Je les ai juste massacrés. Ah ouais, rip hein. Et ben pour la peine, je sais ce que je vais faire. Je me casse de Poudlard. De Poudlard, il y a de l'annexe. Coffre de collection, statue de Demiguise. Ok. Et là, qu'est-ce que c'est? Grotte. Est de la région. Ça, c'est Préolard. Et ben, on va aller explorer par là. Hein. À 300 mètres, ça va, c'est pas loin. Il me faut des ennemis, hein. Il faut des ennemis, j'ai des roulades à faire. Il me faudrait une monture aussi parce que ça a l'air bien grand. Revelio. Je devrais regarder ça de plus près. Ouais. De ouf. Oh. Action. Ah, faut mettre le... Ma gueule le truc là. Revelio.
Attention! Ça fait rien. Action. Perdu là. Héros FX. Je le mets dans un sens particulier ou... Il est en plein milieu, ils veulent quoi là? J'ai endormi devant ton stream tout à l'heure, je me suis réveillé avec 39 de fièvre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, bah repose-toi hein. Incendio dessus. Incendio. Merci. Bien vu. Je me disais, mais qu'est-ce que je dois foutre avec ce truc, quoi? À l'aide. Merci beaucoup. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Dangereux? Ça veut dire des ennemis et je peux faire des roulades? Par contre, les loot, pas ouf. Hein. Revelio. Attends, tout ça pour ce coffre de merde? Blague. Me dis pas que je suis rentré là-dedans. Pour ce coffre? Bah apparemment c'est le cas. Bah je me casse du coup hein. Action. Ça, mais les vieux incendio. Genre t'es pas mort. La chance. Tu finiras pas en pull cette année. Il m'a fait sursauter avant. Ah bon, j'ai rien fait. J'ai juste allé cramer un mouton au passage. Grâce Pinch. Ne fais pas ça. Vas-y. Tu pourrais blesser. Bonjour, je peux t'aider? Oh, juste ciel. Oui, je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais des Pinch Smedley de basse? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver.
J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-m'en plus. Merveilleux ! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste ? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. C'est mignon. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bass. Ta famille serait célèbre ? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. La raconte un petit peu. Je devrais peut-être t'éliminer par la suite. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Trou serpentard, ça se la raconte. C'est ça. Bah go, hein. Baignade, vite fait. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Ah genre, on plonge pas sous l'eau ? Juste, on fouille comme ça. Il y a du loup partout, c'est très grave. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Ah non ! Ok, j'ai compris. Je vais rendre cette quête et je vais me débarrasser. Il nage bien. Petite reconversion natation, on fait les Jeux Olympiques. Hein.
C'est chaud, hein, il se fatigue pas en plus. En fait, Kiwi, il est pas pris par le fatal, mais par banane. Ah, 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 ah. Possible. Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Alors, soit oui, et je compte le garder. Il est à toi, mais pas gratuitement. Oui, le voici. Alors déjà, oui, le voici, c'est hors de question. Est-ce qu'on se fait payer? Ou est-ce qu'on la raquette? Ça va ou quoi? Je la raquette ou est-ce que je la fais payer? Elle a un côté un peu imbu de sa personne. On va la faire payer. Je l'ai trouvé, mais ça n'a pas été facile. J'aurais besoin d'une compensation. Je vois. Je suppose que tu le mérites. Voici donc une récompense pour avoir trouvé ce trésor enfoui. Merci de me l'avoir rapporté. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Attendez là. Elle m'a donné 20 pièces d'or. Blague. Eh, mademoiselle, ma famille super connue, blablabla là. 20 pièces d'or. Les Vioso. Et elle s'est barrée comme ça? J'aurais dû la cramer. J'ai la haine. J'aurais dû la racketter, voilà, je pouvais la racketter, j'aurais dû la racketter. Voilà. Voilà. Grosse erreur de ma part, je saurais m'en souvenir, cette leçon, je la retiendrai. Plus jamais je me ferai avoir comme ça. Ah, quel plaisir de te voir ici. Ah ouais? On se verra plus tard. Allez, ciao. De la tuite crevarde, mais elle m'a donné 20 pièces. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. C'est quoi ça? Bah oui, c'est pas FF. Pas que FF non plus. On a le droit de kiffer d'autres jeux. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale. Mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires, et surtout, ma peinture. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. La voix de ce PNJ ne va pas du tout avec sa tête. En vrai de vrai, j'ai pas vraiment écouté ce qu'il a dit. Juste sa voix, elle me perturbait de fou. À l'aide. Un truc moche avec de la magie au rabais, on est d'accord?
Ça va les rageuses? Non mais oh. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Non mais vraiment, genre... À quel moment il a une voix comme ça, genre... C'est grave. Réveillon. Où il y a du coffre. Alors par contre, toi, c'est exactement toi que j'avais besoin. Bonjour monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Qui êtes-vous? Que vendez-vous? On s'en fout. Quelles sont les rumeurs du moment? Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtissent. Ce serait formidable que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. T'inquiète, j'arrive. Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Koro. Ok, qu'est-ce que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Me débarrasser de tout ce qui me parasite. Genre ça. Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. Genre ça. Genre ça. Hop, hop, hop. Et du coup, ils vont quoi? Ouais, bon, on s'en fout pour l'instant. J'espère vous revoir bientôt. Ouais, on verra. Hein. Alors, par contre, j'ai cru voir qu'il y avait un truc qui était mieux. Ok. Apparence, ça dégage. C'est fait. Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous? Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Me débarrasser de ça. Allez, salut. J'espère vous revoir bientôt. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. L'endroit semble être assez agréable. T'as les serrures là par contre. Moi il y a un truc qui m'intéresse là. L'araignée. Juste pour une araignée. Tout vient à point à qui sait attendre. Croc d'araignée. Revelio. Oui, Kiwi, c'est un troll, il est méchant avec moi, il m'embête. Et quoi? Je vois, il est très sage dans le chat. Sont parvenus à retracer l'histoire des labyrinthes des côtes jusqu'à leur véritable origine.
Oh là là, j'ai eu la flemme de lire ce truc. J'ai entendu une musique. Vite fait. Je vais y aller, hein, mais... pas se faire niquer. Donc, maintenant que j'ai sauvegardé... il y a eu une musique angoissante et maintenant il n'y a plus de musique rien du tout. Je vais aller à droite. Oh putain. J'ai l'impression que de toute façon je peux aller que sur un endroit. On va faire du full droite. Non. Ok, ça commence déjà à être la merde. Gauche. Ah, skip, c'était un labyrinthe. Oui, des bisous, mon ref, amuse-toi bien, ça marche, bon raid à toi, frérot. Cap légendaire. Revelio. Je me demande qui vivait ici. Derrière les ruines. Je suis sur la bonne voie. Incendio. Bah. Levioso. Ah. Incendio. C'était ça que je voulais faire. Oh my god. Action. Incendio. What the fuck. Levioso, incendio. Ils ont mis la pression là. Action. Ah.
Réveilleux, je suis face à des araignées de ouf. C'était le pire réveilleux de ma carrière. Oh mon dieu. Je suis pas bien. Comment on rentre là-dedans là? Il y a deux coffres. Incendio. Comme ça. Bonjour. Action. Les vieux sont. Incendio. Eh ben dis donc, t'es résistant. Hein. Revelio. Je se fout de ma gueule là. Incendio. Pas de passage. Ouais, bah fuck this. Je me casse. J'ai des gobelins à torcher. C'est encore ces foutues araignées là. Trop d'araignées ici là. Protego. C'est sûrement ici. Ouais, moi je suis un spammeur de la sauvegarde. Ok. Skip, y a un campement. T'es calme. Trop calme, je trouve. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Action. Je connais un moyen. De ne pas nous avoir rejoint. S'il ne change pas d'avis rapidement, il servira d'exemple. Moi, je connais un moyen incroyable. Incendio. C'est comme ça qu'on va rentrer à la Assassin's Creed. Les uns après les autres, je vais me les faire. Merci pour la potion. Franchement, Incendio. Ragnarok nous unira tous. Action. Les gossos. Je ne m'arrêterai pas avant de t'abattre. Je n'ai eu aucun mal. Action. Les gossos. Protego. Prévisible. Toi, t'es mort, mon gars. C'était assez incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'Arne. Bon, il me faut que je fasse tous les. Rébellion. Faut que je fasse tous les campements. Ça y est, j'ai trop kiffé là.
Action. Incendio. Levioso. Bon, je sais pas ce que je dois faire avec ce truc. Quelque chose qui fait trembler la terre là. Ah, il était complètement buggé hein. Action. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. De quoi mon ego? Ego surdimensionné de Serpentard? Mon ego qui va me mener jusqu'à terrifier le monde? Hop hop hop. Hop hop hop. Attaqué par des oreilles. C'est trop pour moi. Ouais, je confirme, c'est trop pour moi ça. Je suis là, je me balade tranquille, je me fais attaquer par des araignées. J'ai rien demandé hein. On va bien rester sur la route hein, on va pas faire le fou. Les vieux sauts. Allez, les vieux sauts. Action. Bon bah voilà, hein, monsieur le PNJ qui a une voix qui va pas du tout avec sa tête. Si vous êtes ici pour mes marchandises, je suis désolé, mais je n'ai toujours... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Exactement. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Et à ma beauté. Quelle bonne idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Let's go. Je vous souhaite le meilleur. Quand mes chariots arriveront, je serai ravi de vous montrer mes marchandises. Alors, où est-ce qu'on en est ?
Alors, en vrai, là, quand je regarde les choses qui me restent à faire, c'est plus de la découverte, machin, du petit farm. Je vais vous épargner le farm. En vrai. Comme ça, je vais débloquer un peu tous les TP, histoire d'aller plus vite sur le prochain stream. On en profitera, du coup. Je vais débloquer les TP hors stream un petit peu. Et du coup, prochain stream, on fera les quêtes principales. J'aurai un petit peu farmé, donc ça ira un peu plus vite, ce sera cool. En tout cas, merci à vous d'être passé. Ça fait plaisir. Je me suis bien amusé encore une fois. C'était incroyable. Je pense que je vais vous envoyer chez Miki Mia, qui est sur FF14 actuellement. Comme ça, ça vous fait retrouver votre jeu de cœur au passage. Faut juste que j'ai la page de raid. Voilà. Du coup, on va juste sauvegarder la progression. Hop. Voilà, comme ça on est bien. Hop. Sur ce, merci à tous, je vous envoie chez Miki. Merci à tous ceux qui sont passés, ça fait grave plaisir, malgré que je sois pas sur FF14. Je vous souhaite une bonne soirée, je pense que le prochain stream sera demain. En vrai, ce jeu il motive trop à stream, c'est fou. Du coup, je vous dis très certainement à demain, et autrement, bah, je vous tiendrai au jus. De toute façon, sur le Discord ou autre. Des bisous, la bonne soirée.